Là, en studio, on a le député Chief Whip du gouvernement, Ravi Ratna. Bonjour. Bonjour Nawaz et bonjour tous les auditeurs de Radio Plus. Alors, le constat en cette journée spéciale, qui Radio Plus est dédiée à la cause, à une cause nationale, le combat contre la drogue, beaucoup de travailleurs sociaux, PDLI, qui, malgré tous les efforts qu'ils peuvent faire, la bataille contre la drogue, c'est une bataille presque perdue. Malgré tous les efforts qu'il peut faire, saisir ECHO, commission d'enquête, la drogue peut continuer à prendre l'ampleur, peut proliférer, et surtout la drogue synthétique. C'est quand même un constat d'échec, Aviranda. Qui vous pensez, qui peut morcer, où est le problème? Est-ce que le problème c'est au niveau prévention, institution pas fait faire ce travail, quoi, bien, où est le problème était? Moi, je ne suis pas d'accord avec vous que c'est un échec total. Je pensais que le débat est faussé, comme Jimon Vindjaou, que c'est un échec que le gouvernement pas capable amène un contrôle dans la situation. Je ne veux pas dire que c'est un échec du gouvernement, hein. C'est un échec à tous les niveaux, y compris même Oui. travailler sur ça, je peux faire votre propre autocritique. Hein. Oui, vous pouvez faire votre propre autocritique. Parce que ce qui peut arriver, il y a beaucoup de gens qui peuvent causer la drogue aujourd'hui, je peux causer par rapport à une perception qui est faussée. Il y a des gens, et comme on peut dire, il y a des gens, on peut dire, il y a des gens de la rue, il y a des gens qui sont professionnels, il y a des gens qui sont bien intelligents, je peux servir un langage comment dépénalise Gandja, décriminalise Gandja, pour que Jimoun pas prend la drogue synthétique, pour que Jimoun pas prend la drogue héroïne, etc. Donc, ou pas d'accord avec dépénalisation Ganjao. Laisse-moi commencer par dire comme ça. Moi, je n'ai pas d'accord ni avec dépénalisation, ni avec décriminalisation, ganja ou n'importe qui la drogue, quiconque prend, lui fait ouvrir fou et qui y affecter au cerveau à un tel niveau qui ou perd du contrôle et ça fait ou bascule vers la drogue dure. Tout le monde connaît qui, dans la majorité des cas, ben, du monde qui commence à prendre cannabis, éventuellement, ils ont gradué, ils commence à prendre ben, la drogue plus dure qui amène plus grand que ça. Est-ce que Gandia fait du win-win four à Virot, non? Oui, ganja, si vous prenez l'INA, ça, THC, qui affecté au cerveau et éventuellement vous pouvez une fois ça. Et là, du monde même servi un argument pour dire que si vous avez une douleur, vous avez une douleur, vous prenez ganja, il est bon ça pour une douleur. Mais est-ce que du monde qui dit ça là, ça du monde qui est bien éduqué, ça du monde qui est à l'université, ça du monde qui soi-disant y a un intellectuel, ça du monde qui peut écrire le journal éditorial, l'éditorial. Est-ce qu'il peut penser pour une minute que la science finit mettre à la disposition un produit pharmaceutique contrôlé qui guérit beaucoup de douleurs qui existaient dans l'écho du monde? Pas juste guérir, il y a de douleurs, pas capable de guérir, mais il y a calmant, ou prend jusqu'à cancer, douleur cancer, qui, le douleur le plus atroce qui me connaît. Et dans calmant pour ça, pour douleur la tête, et dans calmant, ou zong sorti, et dans calmant, ou capable de prendre ibuprofène, toute qualité médicament pour douleur, et dans. Mais qui fait, et dans Jimoun, recréer une perception qui existe avec Ganja. Ou douleur capable de calmer. Et là, quand ben, les enfants qui lisent la ben, littérature, quand ils lisent ça, dans l'esprit, ils se disent, eh bien, cannabis correct, tu me gagnes une douleur à la tête. C'est Maurice Ndé, cannabis. Comme ça, ils développent un habit. Mais il ne faut pas nous faire ça. D'accord. Astaire, il y a du monde comme ça, mais dépénalise cannabis, décriminalise cannabis. Là, du monde, pas pour prendre. Si pas cocaïne, ou soit les autres ban la drogue dure, ou soit je pas pour prendre la drogue synthétique. Ça aussi, c'est un faux raisonnement, ça.
du monde qui prend la drogue, moi d'accord, du monde qui prend la drogue, l'autre bande du monde qui est malade. J'ai la difficulté de la santé. Parce que j'ai la tête fini. J'ai le cerveau fini être attaqué. Je n'ai pas capable et n'a sa faculté pour faire ce raisonnement. Si on prend ça argument pour dire qui légalise cannabis, là où vous capable dissuade du monde pour prendre les autres balades dures. Mais si vous êtes bien, il y a du monde qui a une maladie coquin. Il y a du monde qui a une maladie qui se rentre dans la boutique, qui se rentre dans le supermarché, qui est coquin. Mais qui vous dit pour ça, du monde là, le gouvernement a besoin de donner des articles qui sont habitués coquin, des designers. Il y a du monde tellement malade, la tête pas bon, je te fais un acte de criminalité comme une offense sexuelle. Mais qui veut dire, le gouvernement bizarre amène une poupée pour donner une vous êtes contrôle de ouais, mais là, tu causes une addiction à la drogue, là. Nous causons addiction de tout niveau, là. Est-ce qu'il nous comprendre ça? Il y a du monde une addiction à la drogue, il y a une addiction au coquin, il y a du monde une addiction sexuelle, il y a du monde une addiction pour faire fraude, je suis intellectuel, mais je suis une addiction pour faire des tournes l'argent par million. Oui, mais pour ça, ben, du monde là aussi. Qui est addicté à la drogue à Virota. C'est soin eux. Vous avez un produit, une substitution. Moi d'accord. Ça, moi d'accord. Ouais. Soigner, c'est qui le gouvernement peut faire. Soigner. Moi, je peux donner un exemple. Du monde intellectuel qui est habitué à faire des tournements millions. Le gouvernement, vous avez mettre un. Chaque 6 mois, vous allez mettre à la disposition ça du monde là parce qu'il est malade, il fait ban détournement million, vous allez mettre un petit million pour les chaque 6 mois pour les contrôler ça. Non. Wrong. Ce que le gouvernement fait, c'est qu'il y a une raison pour dire, ban du monde qui est fini malade avec la drogue, le gouvernement peut faire tous les efforts pour mettre ban centre dans ban health centers, dans ban l'hôpital pour traiter. Et traitement bien donné pour les gens qui sont malades. À ce moment-là, là, importation à la drogue, un grand trafic à la drogue, je te l'ai fait casser NDL, où nous avons remarqué que dans sa dernière 2 ans, 3 ans, là, plus que 3 millions valaient la drogue inarrêtée dans le pays. Qui finit Nadam Maurice? Mais ça va dire que le business est tombé. Attends-moi pour dire où là? Qui finit Nadam Maurice? Dans Maurice, avant 2014, fin ena en politique de laisser faire, laisser aller. Et là qui n'arrivait, beaucoup la drogue est rentrée dans ce pays-là. Pas de contrôle. Ça même dans ça même temps, l'époque-là, on trouvait qu'il n'arrivait dans la commission d'enquête. Beaucoup de gens qui dans la force policière même, beaucoup de gens qui dans là-dessus, finissent être englobés dans ces affaires, la drogue ensemble avec les trafiquants. Mais moi, je dis, hein, majorité de policiers dans là-dessus, la police travaille beaucoup de pour ce pays-là. Mais une partie qui est influencée, une rentrée, qui fait parce que je te connais, qui est comment dire, un free reign ça. Là, depuis des trois bananes, sa quantité saisie peut faire là où on peut trouver dans qui niveau la drogue qui peut rentrer dans sa pays. C'est pas pour faire sa quantité saisie là. Ah, c'est un autre argument qui m'a adversé à servir. Je dis comme ça, mais avant la drogue, pas tu peux rentrer, à ce qui la drogue la fait rentrer. Mais si avant la drogue, pas tu peux rentrer. Mais comment un seul coup overnight, sa quantité du monde là est affectée par la drogue? Et là, du monde, il y a où? Synthétique qui ne fait commencer. Synthétique qui déjà commence à faire ravage dans nos pays à partir de 2012. Ouais. Mais, je ne vais pas venir à débat l'intérêt politique. Non, je ne vais pas être politique des côtés, parce que c'est une affaire nationale, ça. Bien sûr. Mais la drogue synthétique, nous venons là. Là, avec ce ben, ingrédient que je peux servir là, et surtout l'évoluer, un ingrédient sensé, un ben, produit sensé, ça me le temps de finir expliquer ça longuement ce matin.
Rama Valaiden vient dire qu'il n'est pas pour capable de gagner la bataille contre synthétique parce que comment on peut amendre la loi, ça mène à une région qui sert là, ou pas capable d'empêcher les gens. God, ben, on va pas les manger ben ingrédients qui servent, mais pas pour capable d'amendre Dangerous Drugs Act, et donc pas pour capable de gagner le combat contre synthétique. Synthétique incontrôlable, c'est ce que Rama Valaiden vient de dire. Alors là, à partir de là, qui nous fait Rama Vous connaissez, nous avons des affaires. Nous venons d'un pays que tout le monde, pour toutes affaires, viscose, bizarre sens de la loi, bizarre mettre la loi, bizarre amendre la loi. Vous connaissez sa quantité de la loi qu'il mettait dans sa pays d'amende. Pour un petit pays comme Maurice, est-ce qu'il a le droit à la paix travail? Est-ce qu'il a le droit à la drogue de travail? Là, on peut mettre une fake, mettre une ondulation de la loi, le Road Traffic Act. Dis-moi, il arrête de boire, comment dire? Dis-moi, il arrête de rouler le brique, le semain? Nous, un pays, nous trop dépendons de la loi parce qu'il peut arriver. Il y a une génération de parents qui finissent oublier complètement qu'ils ont une responsabilité vis-à-vis des enfants. La drogue synthétique qu'on peut causer aujourd'hui, il n'est pas nécessaire, voilà, c'était ça. Ou prend un acétone, ou prend Mexine Lera, ou prend si pas Mexine Lézard, ou prend si pas Kakaïev, ou prend la paillidité, ou fait si pas Kimixia, ouais. Ça. Les enfants peuvent préparer. Ouais. Attends, les enfants peuvent préparer ça. Mais qui manière pour faire ça? Comment pour contrôler ça? Comment pour contrôler ça? Parents bisin jouer un grand rôle. Nous, bisin, ben parents bisin aller dans ben l'école à terre pour apprendre comment vivre parents avant de gagner les enfants. Pour qui? Guettez mon pour Joanne d'affaire. Si parents pas prend responsabilité des enfants et si je continue à penser qu'ils enfants pour alcon tout quitteuse, pour apprendre tout quitteuse dans l'école maternelle à partir des 10 ans. Et qui, quand, à partir de là, qu'ils ont pour aller dans l'école primaire, qu'ils ont pour apprendre tout quitteuse. Les là, qu'ils ont pour aller dans l'école secondaire, ils ont pour apprendre tout quitteuse. Les là, qu'ils ont pour aller dans l'université, ils ont pour apprendre tout quitteuse. Fausse concept. Si on envoie aux enfants apprendre l'éducation, la case, comment pour respecter du monde, comment pour causer dans la société, comment pour agir dans la société, qui bon, qui pas bon, comment faire la différence entre qui bon et qui pas bon. Ça travaille parent dans la case, comment c'est ça. D'accord, moi, totalement d'accord avec vous, qui parent n'a son pas de responsabilité, mais nous qui avons l'autorité, son responsabilité. Oui. Travailleur social, il y a où tout le monde connaît qu'on vend la drogue, sauf la police. Nous prenons l'exemple ce matin vis-à-vis station pleine verte. Oui. Mais la police, il y a un problème. Est-ce qu'il là-dessous, il n'est pas suffisamment équipé? Mais dans ces 10 mounes, est-ce que les autres unités de la police ne pas les rentrer dans sa. Pas les interpeller ben 10 mounes pour mettre des lits de drogue? Parce qu'ils ont dit ça, ce n'est pas au travail, ça. Oui. Il y a un problème. Commission Lam Changlin, peut-être vous êtes démantelé là-dessous là-même. Oui. Qui peut se faire à virer là? Vous connaissez, des points de vue d'affaires. Ouais. Vous connaissez quand on cause la police, nous, par rapport. Ça va nous faire. Démanteler là-dessous du salaire. Moi, je suis pas trop d'accord ça. Allez, ou démanteler là-dessous. Je me pose une question. What's in a name, comment on veut dire? Ou démanteler là-dessous. Mettez un autre nom, plus joli donc là-dessous. Mais, ou continuer avec même culture de travail. Quelle différence ça pour faire? Il n'y a pas pour faire aucune différence. Ou est le même personnel, même culture de travail, même façon d'agir, même stratégie. Non, il n'y a pas pour faire. Pas pour une différence. Et où est la raison, c'est qu'il veut dire. Tout le monde, les enfants à l'école, les enfants collège, les enfants à l'université, peut connaître quoi peut vendre la drogue. Mais ils sont Michel qui viennent faire travail pour arrêter ça, mais le monde là, paraît qu'il n'y pas connaît. Le problème qu'il peut venir, le problème peut venir dans sa culture et dans sa mentalité de travail qui finit développer dans nos pays. Et je peux dire une affaire. Demain, n'importe qui gouvernement pour venir, nous ne pouvons pas faire politique là, hein. N'importe qui gouvernement, mon Pedro. N'importe qui gouvernement pour venir demain. Si gouvernement là pour envie, sans mentalité, ban Jimoun, dans sa pays là, amène ban policier qui, pour faire Jimoun là, travaille comme un bizarre travail, sans même gouvernement pour venir plier un populaire, là où trouver toute qualité du monde pour descendre dans la rue pour faire manifestation. Nous, nous avons un problème grave dans nos pays. Nous pas un pays que du monde
facilement accepter un changement. Et adapter avec ça changement-là et pense dans positivité et pour pense dans le progrès. Un gouvernement, il faisait un petit peu courage politique pour amener le changement. Tout gouvernement finissait y amener le changement. Bon, dire là, ce qui nous peut causer aujourd'hui, c'est above politics. Oui, oui. Et moi, je vais une affaire. Tant qu'à moi, je peux dire, ouais, si un jour, moi, je tiens un pouvoir, dans 6 mois, sur la police, sur le service civil, tout dressé, au moins ça. Comment tu peux faire ça? Faire comme ça, Jimmy Gramater au Premier ministre, Ravi Ratna, qui vous fait? Non, je ne peux pas dire, oui, Jimmy Gramater, bon, bon, non, mais vous avez un pouvoir, vous êtes Premier ministre. Pouvoir. Dans 6 mois, ouais. Ce service civil, tout ça, nous a fait qui est dans. Comment dire l'incompétence là? Ouais, qui vous fait concrètement? Mais, qui vous fait? Qui m'offert? Mon met ban structure du bout tout de suite. Pareil comme dans le secteur privé. Performance evaluation. Et comment dire performance evaluation? Pas ban performance evaluation niqué. Si vous n'êtes pas capable de performer dans le travail, vous donnez 3 sens. Performance evaluation, ou pas bon, vous donnez 3 sens. Mettre structure comme un comité disciplinaire dans fonction publique. Quand ou pas bon, faire comité disciplinaire, pas sous comité, donne-nous l'occasion d'expliquer, mettre des hauts, plus vite qu'il capable, j'ai dit mon al redonne notre travail, que tout capable, faire travail qui ont envie, comment ou envie faire lui, parce qu'il ou pas capable d'adapter et d'accord avec une culture travail de changement dans la mentalité qui pour amener le progrès dans nos pays. Dans la police qui change, je crois, ministre. Regardez, premièrement, moi, je vais dire une affaire. Nous, la police, vous connaissez, nous pouvons poser une question qui nous pose, bon, là, vous pouvez poser une question de grande réforme, là. Ouais. Ça, moi, affaire là, moi, j'ai déjà fini de causer ici de Radio Plus, beaucoup de fois, réforme, depuis 2010 qui m'ont mis dans ce pays-là, moi, j'ai besoin d'une réforme fondamentale dans la police, dans le judiciaire, partout, besoin d'une réforme horizontal et vertical, si vous êtes capable de dire. Et ça, pas capable de discuter ici, là. Ouais. Mais moi, j'ai une affaire. Ouais. Quelque chose qui nous héritait avec Anglais dans 1968, façon que la police travaille depuis 1968, jusqu'à l'air, c'est la même façon que je travaille. Et il faudrait que les gens ne trouvent pas clair, pas pour trouver qui bizarre. Et un changement horizontal et vertical. Juste pour nous terminer, le trafic de la drogue là, finalement, Ravi Ratna, l'occupant axe nous vous besoin d'agir concrètement. Donc c'est vrai, là, il y a une commission d'enquête, il y a un rapport sorti, mais what next? À partir de là, il faut trouver quelque chose pour arriver, l'enquête peut faire, pour appeler Dimoun, l'enquête, un statement peut prendre, une interpellation, etc. Nous, oui, pas l'enquête, trouve, non, mais non. On peut trouver rien là. Là, on peut poser une question suite à rapport Paul Lam Changlin et qui gouvernement peut faire. Ouais. Mais comment vous connaissez, finalement, un comité ministériel et finalement, un task force et qui fait fin mettre sa task force là, Dimoun, c'est qui pour tout ban agencies qui concernent. Qui concernait, par exemple, FIU, MRA, la police et les autres, tout ensemble, mettre la tête ensemble, travaillent pour attaquer le problème, pour que Jimoun la peine se mette sorti s'il y a un trafiquant. Et ça va un trafiquant là. Si vous êtes aujourd'hui, qui c'est là qui trafiquant? Ou quoi trafiquant qui peut venir là? Ça va un Jimoun qui peut arrêter dans l'aéroport là, ou quoi trafiquant ça? Ça va du monde peut servir d'autres. Parfois, il y a des gens pauvres, parfois, il y a des gens qui ont besoin de quitter leurs ans pour faire une opération ou quitter eux. Peut servir d'autres, peut dire amène sa valise là, une coûte. Quand on finit de quitter ça dans sa place, nous pouvons donner toi autant. Alors, nous pouvons donner toi un avaloir à ce terre-là. Tant de gens là. Ça, c'est un gens qui peut venir là. Ce n'est pas un trafiquant là, ouais, ouais. Trafiquant là, lui, quelque part. Côté l'IP contrôle un réseau qui ou même ou capable pas imaginer et avec beaucoup de ressources. Mais comment nous deal avec le trafiquant? Ce qui nous besoin, comment le gouvernement peut faire en ce moment, travaille avec une organisation internationale
et qui bloque from the country of origin pour que les gens ne pas capable de rentrer. La drogue synthétique, parents business jouent un grand rôle pour contrôler qu'ils ont des enfants papés faire la drogue synthétique là dans la case même, ou soit quelque part dans une store, ou soit ensemble avec un camarade quelque part dans un coin, dans l'endroit quelque part. C'est ça qui est bizarre. Nous pas capable de continuer comme ça, dire comme ça pour tout qui chose, vite vite nous besoin à la loi pour tout qui chose, nous besoin de nous astère parce que du monde là peut rentre dans une logique de criminalité. Mais là ce qu'il veut nous faire au lieu d'y aller faire crime là, mais astère nous même nous amène crime là côté lui parce que là il va pas pouvoir faire crime là dehors. Faudrait pas nous penser dans sa logique là, faudrait qu'il nous pense rationnellement, ben argument douleur tout ça là. Il ne faut pas faire nos bons enfants qui peuvent grandir pour l'avenir comprendre que le cannabis c'est une bonne affaire. Et si vous ne gagnez pas le cannabis, synthétique correct. Il ne faut pas nous vivre avec sa perception-là. Merci beaucoup, Ravi, merci d'être venu.